Bonjour, le principe d'indépendance des exercices est à la base du calcul du résultat comptable. Il consiste à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent. Ce principe nécessite l'enregistrement à l'inventaire d'écriture de régularisation. Le Code de commerce nous dit dans son article 123.21 que seuls les bénéfices réalisés à la clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. D'autre part, le plan comptable général, dans son article 133, nous indique que le compte de résultat récapitule les charges et les produits de l'exercice sans qu'il soit tenu compte de leur date de paiement ou d'encaissement. La régularisation des charges et des produits a pour objectif de procéder à ces ajustements. Ces régularisations consistent soit à comptabiliser les charges et les produits qui n'ont pu l'être pendant l'exercice faute de pièces comptables justificatives, soit à effacer de la comptabilité les charges ou les produits enregistrés pendant l'exercice, mais qui concernent les exercices suivants. Ces différentes possibilités nous sont représentées sur le schéma ci-dessous. La première question que nous devons nous poser est la suivante: l'opération concerne-t-elle en partie au moins l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice N plus 1? Si la réponse est non, aucune écriture ne devra être enregistrée en comptabilité au titre des régularisations. Si la réponse est oui, nous devons nous demander si l'opération concerne un produit ou une charge de l'entreprise. Dans cette leçon, nous supposerons qu'elle concerne un produit. Ce produit a-t-il été enregistré en comptabilité? Autrement dit, l'entreprise avait-elle une pièce comptable justifiant l'écriture? Si la réponse est oui, nous devrons enregistrer un produit constaté d'avance. Dans ce cas, la TVA a été enregistrée au moment de l'enregistrement de la pièce comptable. Par conséquent, l'écriture de régularisation ne contiendra pas de TVA. Si l'écriture n'a pas été enregistrée en comptabilité, faute de pièces comptables, dans ce cas-là, notre écriture de régularisation concernera un produit à recevoir. La TVA n'ayant pu être enregistrée, l'écriture de régularisation l'enregistrera, mais dans un compte d'attente, puisque l'entreprise n'a pas de pièces justificatives. Nous allons présenter ces différents cas en les illustrant par les exemples suivants. Commençons par voir comment enregistrer les produits à recevoir. Nous avons livré pour 20 000 euros hors taxes, TVA 19,6%, de marchandises à un client au cours du mois de décembre. À la date de l'inventaire, la facture n'est toujours pas établie. Par conséquent, il nous faut enregistrer les ventes qui n'ont pu l'être, faute de facture, avant la clôture de l'exercice. Nous allons donc constater dans notre comptabilité la vente en créditant normalement le compte 707 vente de marchandises. Nous allons également enregistrer la TVA collectée dans un compte d'attente en attendant l'envoi de la facture. Ce compte d'attente contiendra un 8, comme tous les comptes de régularisation que nous utiliserons dans cette leçon. Enfin, nous devons constater une créance sur le client qui nous doit la somme TTC de la facture. Cette créance va s'enregistrer dans le compte 418, client, produit non encore facturé, et non pas le compte 411, car la facture n'est pas encore élaborée. Voyons maintenant le cas des produits constatés d'avance. Nous avons facturé pour 10 000 euros hors taxes de marchandises, TVA 19,6%. À la date de l'inventaire, les marchandises sont encore en stock. Il nous faut donc diminuer d'autant le montant des ventes enregistrées pendant l'exercice. Par conséquent, nous allons débiter le compte 707 vente de marchandises
pour diminuer le montant des ventes affectées à l'exercice. Ce même compte avait été crédité du même montant lors de la facturation. Enfin, nous allons au crédit constater une dette sur le client, puisque nous lui devons les marchandises, en créditant un compte de classe 4. Il s'agit pour nous d'un flux physique de sortie différée à court terme, et nous l'enregistrerons donc dans le compte 487, produit constaté d'avance. Nous noterons que la TVA n'est pas régularisée puisqu'elle avait été collectée dès l'envoi de la facture au client. Voyons maintenant le cas des intérêts à recevoir. La société a bloqué sur un an, le 1er avril N, 100 000 euros en banque. Le taux de ce placement est de 14%, l'exercice coïncide avec l'année civile. Il nous faut cette fois comptabiliser les intérêts gagnés entre le 1er avril N et le 31 décembre N, intérêts qui ne seront perçus que le 1er avril N plus 1. Cette opération est donc assimilable à un produit à recevoir. Par conséquent, nous allons enregistrer dans notre comptabilité le produit financier tel qu'il aurait dû l'être en cours d'exercice en créditant un compte 76. Ici, le compte 7626, revenu des prêts. Au débit, nous allons constater une créance en compte 27 en attendant que les intérêts nous soient réellement versés. En effet, c'est dans un compte 27 qu'avait été enregistré le prêt. En l'occurrence, nous allons utiliser le compte 2768, intérêt couru. Le montant enregistré correspond donc aux intérêts gagnés entre le 1er avril et le 31 décembre N, c'est-à-dire sur les 9 derniers mois de l'exercice comptable. Voyons enfin le cas des rabais, remises et ristournes à obtenir. Notre fournisseur nous accorde contractuellement 2% de ristourne sur nos achats hors taxes de l'année. À l'inventaire, l'avoir correspondant ne nous est pas parvenu. Nous évaluons cette ristourne à 2000 euros hors taxes, TVA 19,6%. Ici, il va nous falloir diminuer le montant des achats que nous avons enregistrés pendant l'année, du montant de la ristourne qui les concerne. Par conséquent, nous allons utiliser le compte 609 rabais remise ristourne obtenue sur achat. Il s'agit ici d'un compte 609 et non pas d'un compte 601, 607 ou autre, tout simplement parce qu'il s'agit d'une réduction accordée hors facture. Nous allons également enregistrer, régulariser la TVA sur la facture non parvenue en créditant le compte 44-58-6, taxe sur le chiffre d'affaires sur facture non parvenue. Enfin, nous allons diminuer le montant de la dette sur le fournisseur en débitant un compte commençant par 40. Plus précisément, ce fournisseur doit une somme d'argent à notre entreprise, d'où l'utilisation d'un compte 409 fournisseur-débiteur. La présence du chiffre 8 dans le numéro du compte marquera la spécificité de l'opération. Nous noterons pour terminer que toutes les écritures de régularisation ci-dessus, enregistrées donc à la clôture de l'exercice, devront être contrepassées à la réouverture des comptes de l'exercice suivant.